Ben. Voilà, que sont-ils devenus? Vous avez bien compris que là, vous êtes sur Zouk TV, votre émission préférée. Que sont-ils devenus? Où il s'agira donc de creuser la personnalité de quelqu'un qui marque le paysage martiniquais, un artiste, un sportif, pas forcément des gens décédés, des gens qui sont bien là, qui continuent. Mais entre-temps, on se demande, que sont-ils devenus? Et ce soir, nous allons accueillir M. Roger Galli. Roger Galli, bonsoir. Bonsoir, Michel. Alors, mon cher Roger Galli, quand on parle de Roger Galli, des frères Galli, on pense à quoi tout de suite, quoi? Eh bien, si vous dites frère Galli, vous pensez à la comédie qu'on a menée pendant des années. Ouais, vous aviez une formule, un concept, les frères Galli? Oui, c'était des sketchs qu'on avait fait entre deux frères. Oui. Ensuite, on a associé un ami. On va en parler tout à l'heure. Voilà. C'est cette image qu'on voit. Oui, oui. Alors, le concept, c'était les deux frères, voilà. Daniel et Roger. Voilà. Donc, on va remonter à vos origines. Donc, on va parler de votre enfance, notamment. Vous êtes originaire de quelle commune? Eh bien, nous sommes de Grand-Rivière. Hein. Ah bon? Ah oui, mon père est de Grand-Rivière. La famille Galli est connue à Grand-Rivière. Ah oui, ouais. Les Galli, c'est... Jusqu'à maintenant? La racine, c'est Grand-Rivière. Ah. Mon père, c'est un riverain. D'ailleurs, il a enseigné à Grand-Rivière. J'ai été à l'école à Grand-Rivière aussi. Dans les classes primaires, vous étiez à Grand-Rivière? Oui, en primaire, oui. Ah. Oui, oui. On peut se tutoyer, puis, monsieur Galli, oui. S'il vous plaît. Ah, oui. Ok, donc vous êtes originaire de Grand-Rivière. Donc Grand-Rivière. Prime enfance. Nous sommes des nordistes. Voilà, extrême. Extrême. Alors, justement, une famille de combien d'enfants? Eh bien, c'est une famille de deux lits. Deux lits, oui, non, mais ici... Le premier lit, c'était sept, le deuxième et toi. En Martinique, c'est ça, c'est mon demi... Oui. Non, j'aime pas cette formule-là, c'est mon demi-frère. Non, non, pas les affaires de demi-frère, c'est frère épicé. OK, alors, le papa, il était, je crois, directeur d'école, un truc comme ça. Directeur d'école, ensuite, photographe. Ah bon? Eh oui. Ça, je ne savais, on va... Ouais, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et la maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Et ma mère, bon, elle n'a pas beaucoup travaillé, puisque avec le nombre d'enfants qu'elle avait, elle était femme au foyer. Ouais. Voilà. Alors, petite enfance à Grand-Rivière, on vous inculque des valeurs, comme dans toute famille qui se respecte. Alors, et les valeurs, quoi? Fierté, apprendre le travail, gagner la vie ou pas demander personne à un guitario, etc. La fierté, le travail, l'honnêteté. La sincérité. Ouais. C'est ça qui nous forge. Ouais. Et rien d'autre, Michel. Du côté du père comme de la mère? Oui. Est-ce qu'on prend correction lors de petit, par exemple? Eh bien oui, c'était l'éducation du moment. J'ai pris des coups de bâton de balai. Ah bon? Mon pont coup de tuy. Il y avait aussi, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y avait la cravache. La cravache. Les gens n'ont plus ça maintenant. Maintenant, quand tu fais ça, Michel, c'est... Maltraitance. Tribunal, maltraitance, baillon. Ah, ouais. Ah oui. Eh oui. Alors, c'est tout du côté du papa ou bien de la maman encore? Les deux côtés, les deux côtés, c'est... Ah oui. Pas des affaires, ne touche pas à mon petit gars, son mari. Non, mais comme mes parents se sont séparés, ils étaient très jeunes quand ils se sont séparés, donc j'ai plus vécu avec ma mère qu'avec mon père. Oui. Moi, les cas, papa, moi, j'étais à Grandadé. Hein. Ah bon? J'étais déjà adolescent. Hein. Ouais. Ah oui. Alors, est-ce que tu es croyant, normalement? Et on les voit dans le comme ça, on fait tout le bagaille, l'incision, communion. Michel, j'ai été baptisé catholique. Oui. Mais mes parents avaient l'église. et je t'ai donné un peu ma religion, c'est être honnête avec tout le monde, être fier. Et les valeurs propres. Les valeurs propres. Pour pas vous en aller. Oui. Et puis de. Tu as quand même fait la communion. Oui, m'en fait. Moi, d'autres fait. Moi, des diplômes de communion. Première communion. Mais quand il va dire qu'on est adepte de l'église. Oui, voilà. Voilà. Là où tu es gentil, maman, hein, tes rêves de jeûner, qui sont les faits? En footballeur, en chanteur, en pilote d'avion. Je pensais que je devrais être un artiste. Ah bon? Artiste. On va arriver là-dessus, hein, parce que tu n'as pas été qu'un artiste, tu as été quand même, tu as fait pas mal de choses. Voilà, donc tu avais des idoles, tes références, elles étaient quoi? Sportives, artistiques? J'avais des références sportives. Pelé, ben bon, encore, encore. Bon, j'étais pas trop football, par contre j'étais basket. Ah bon? J'ai fait du basketball, oui. Tu as pratiqué dans un club après? J'ai pratiqué avec le New Club, je crois. Ouais. Ou le Good Luck, voilà. Ah bon? Ouais, j'ai joué. Pas longtemps, hein, ouais. Mais nous faisons des machins. Et puis, dans ma carrière d'enseignant, entre collègues, nous avons fait des souhaits. Le soir, nous avons allé les machins.
qu'on appelle ça le terrain de Ducos. Oui, oui, oui. Pour nous faire du basket, nous, tu souhaites nous, il te gagne ça. Voilà, donc ta scolarité, école primaire, etc., à Grand-Rivière. T'es... Non, pas Grand-Rivière, parce que j'ai passé plusieurs communes. Attends, j'ai mais justement, demain, j'ai pas fait toute ma scolarité primaire à Grand-Rivière. Alors, parce qu'est-ce que tu as fait bah, mais... Mes parents se sont séparés. Oui. Donc, je me suis retrouvé avec ma mère qui a d'abord habité Basse-Pointe. J'étais à l'école à Basse-Pointe. Ah bon? Mais là, pas vraiment l'Aubin. Je m'en fais couper par toi, au moins Basse-Pointe. Oh, ouais. Ma mère habitait. Est-ce que tu vois la maison de l'ancien maire de. C'est Joachim, ouais. Joachim. Ouais, ouais, ouais. C'est j'habitais pas en face de chez Joachim. Ah bon, donc, au fait, quand. Ma mère est allée louer une maison là après son divorce, tout ça. Alors? Parcours, Grand-Rivière, Basse-Pointe ensuite. Je suis allé habiter, j'ai habité à Joux-Pas-Bouillon après avec mon père, parce qu'à un moment, moi, j'allais habiter, et puis papa, moi. J'ai habité le Mont Cap-au-Loin, donc il y a beaucoup de gens à Mont Cap-au-Loin qui me connaissent. Ah, vous êtes international, quoi. J'ai habité, les gens me connaissent au Loin, j'ai été au collège du Loin. Alors justement, on arrive. C'est au Loin. Attends, on arrive, non, pas après, c'est pas nous. Parce que là, j'ai primé, on a vu, ton collège, ton CEG, tu l'as fait où? Et au Loin. Non, j'ai fait d'abord, quand j'étais avec ma mère, j'ai fait les 6e, 5e au Terre-Saint-Ville. Parce que ma maman était habitée à Terre-Saint-Ville. Ma mère avait moi habité à Terre-Saint-Ville. Ouais, 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 ouais. Et c'est après ça que et nous partis, et puis papa nous. Voilà. Donc j'ai fait 6e, 5e au Terre-Saint-Ville, et puis moi, et maman nous voyait, nous avec papa nous. Mm-hmm. Et après ça, comme mon père habitait le Monde Cap-au-Loin, vous êtes resté. Je suis resté au Loin et nous avons scolarisé au Loin. Voilà. Donc j'ai fait le collège du Loin. Et l'ancien maire de Macouba. Macouba, Sévère Serlan. Serlan était mon professeur d'histoire et géographie. Ah, mais tu m'as abandonné. Michel, il ne faut pas dire ça fort. Il ne faut pas dire ça fort, il n'est pas jamais là. À travers toutes ces périodes-là, tu étais une sorte de globe-trotteuse, quoi. Ah oui. Mais Michel, c'est une bonne chose parce qu'on ne nous connaît pas autour. Ouais, on nous connaît au Monde Rouge, on nous connaît au Loin, on nous connaît à Basse-Pointe, on nous connaît à Grand-Rivière. Les mains, les Grand-Rivière, là, Mankaïmé. Tu as des souvenirs d'enfance, par exemple, à Grand-Rivière, tu as bien la rivière, camarade Grand-Rivière. Le souvenir que j'ai de Grand-Rivière, c'est qu'il n'y avait pas le pont. Et quand il y avait la crue, pièce l'auto qui était passée. Et mon père avait à l'époque une Jeep, c'est lui seulement qui était traversé. Il avait une Jeep, les Jeep Willis, tu l'appelles? Papa mettait un Jeep Willis, il était capable de traverser la rivière. Voilà, voilà. Donc, dès cette période-là, tu avais quand même la fibre artistique qui se manifestait. Là, on fait secondaire, on va pas au CEG. Tu as fait le lycée? J'ai fait le lycée technique. Lycée technique, voilà. Ce qui est devenu maintenant. Oui, il y avait le lycée technique et puis le lycée de jeunes filles. Joseph Gaillard, c'est ça, le lycée technique maintenant. C'est Joseph Gaillard, j'étais là. Ouais. Et d'ailleurs, on a dû se rencontrer là. Au lycée technique. Non, moi, c'était au lycée Chalchir. Ah, lycée Chalchir. Alors, voilà, tu grandis et tu découvres des amis d'enfance. Oui. Est-ce que tu as déjà été victime de trahison vis-à-vis de certains amis? Non, je ne pense pas, non, je ne peux pas dire ça. Ce en fait, je n'ai pas eu beaucoup d'ennemis dans ma vie. Ce serait peut-être bien que Manuel Anneau diffuse déjà des premières photos pour qu'on voit la famille un peu, comme on est doté, quoi. Oui, là, bon, le clan le, Gali. Le genou. Ouais. Voilà. Donc, on va avoir peut-être les photos dans quelques instants. Le sens de l'amitié, tu le découvres, etc. Le sport, tu m'as dit que tu fais du basket. Les expériences théâtrales. Est-ce que tu faisais déjà des sketchs? Non. Michel, ouais. Ça s'est révélé quand j'ai décidé d'être moniteur de colonie de vacances. À cette époque-là, il fallait avoir 18 ans. Mm-hmm. Qui c'est qui m'a lancé là-dedans? C'est Daniel qui a commencé, puisqu'il est plus grand que moi. Ouais, ouais, ouais. Daniel n'est un an plus que moi. Mm-hmm. Bon, même s'il m'a plus grand de taille, mais il est plus grand que moi d'âge. Ouais, ouais. Et puis, je l'ai suivi. Il a d'abord. On a bien aimé voir la famille Gali, en fait, tous les enfants pour qu'on puisse reconnaître un peu, pour dire nous, par exemple, Kimoun, etc. Est-ce qu'elle est à droite, à gauche. Donc, cette histoire de sketch, tu as découvert ça plus tard. Tu continues plus tard, oui. Ce que tu disais. J'étais Daniel allé décider d'y faire moniteur colo. Ouais. Et comme bon, pour s'occuper, pour avoir une activité de bonnes vacances, j'ai suivi. Et c'était une bonne chose parce qu'on a découvert plein de choses. Ah. Et c'est de là que se sont révélés les frères Gali. Sont nés les frères Gali. Voilà, par exemple, là, on voit, regarde, 1972. Qu'est-ce qu'on voit là exactement? Il y a non, qui là, ça c'est un stage que je faisais à Tahotan. À Tahotan. Au VVF de Tahotan. Donc tu vois l'ancien président, celui qui m'a précédé à l'UFCV.
Tu vois le jeune là qui est derrière, juste avec la main sous le bras. C'est un stagiaire qu'on avait mm-hmm. et qui est devenu cadre à une télé concurrente là, à KMT. Il est resté longtemps à travailler là. Mm-hmm. L'autre fille qui a roté, c'est Maginat. Donc c'est la famille, la proche famille. On voulait avoir également des photos de parents proches, etc. Il y en a pas mal. Non, dès qu'on voit une photo de groupe, tu nous balances la photo, il va nous expliquer un petit peu ce qu'on voit sur la photo. Donc ça, c'est un stage. Hein. Alors là, tu m'as dit que le théâtre ne t'intéresse pas encore. C'est après, avec ton frère, que tu vas découvrir le théâtre. Et puis là, tu grandis. Quand tu étais à l'école, après le lycée technique. On peut balancer les photos de temps en temps. Et on a... Alors là, par exemple, on te voit là sur une... Ben là, je suis... De chevaux. Oui. Là, j'étais déjà instituteur. Où tu es en deux chevaux? Oui, j'avais une deux chevaux. C'était ma deuxième voiture. Cette deux chevaux là que tu vois là, je l'avais achetée neuve. Parce que j'aimais cette voiture. Ah bon, tu aimais le style de la deux chevaux? La deux chevaux. Je fais qu'il m'a dit la tête que tu as, ça te va bien. Ben oui, une deux chevaux là, une deux deuches. La deux deuches a pris beaucoup d'importance. Maintenant, quand tu vois une deux deuches, maintenant tu t'arrêtes pour la regarder. Mais c'est un objet de collection. Si je savais, j'aurais dû conserver ma voiture 390 RN. J'ai un copain justement qui a gardé en mémoire. Dernièrement, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois. Je lui parlais de cette voiture-là. Il m'a dit 390 RN. Ah, il a raison, regarde. Il a raison. Donc, on va arriver à une période. Donc, tu sors, etc. Où j'ai commencé le travail. Oui. Et là, on met à crier entre temps. Mais c'est après que tu vois. Après la deux chevaux, là. Tu vas nous. Voilà. Alors là, on voit le soldat Galil, là. Oui. J'étais à Gerbo, là. Je faisais mes classes. Ah oui, le truc avec la sujet au bout. Parce que c'est une période qui t'a manqué, le service militaire. Ah, mais c'est quelque chose de très enrichissant. Oui. À défaut de que Yoga Pan nous tue, Yoga Pan nous fait la djet, c'est une expérience, n'est-ce pas, à vivre, Michel. De vie collective. Tu as jamais fait d'internat? Oui, j'ai fait l'internat aussi. Au lycée aussi. Au lycée. Technique. Ouais. C'est technique. Mais l'armée, c'est différent quand même. Ah oui, c'est différent. Tu on apprend beaucoup de choses. Quand un jeune n'a pas fait l'armée, Michel, je ne sais pas si tu as fait l'armée, mais pas moins de aux affaires à Télémoun, non. Mais quand un jeune n'a pas fait l'armée, n'a pas fait l'internat du lycée. Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Il lui manque l'apprentissage de l'avion collectivité. On va revenir là-dessus parce que je constate que tu prends ça très, très, très à cœur. Donc, et alors là, ton intégration dans le corps des enseignants. Tes diplômes, est-ce que tu as passé dans ton CAP, etc. Comment tu es entré, tu es titularisé dans le corps des enseignants? Eh bien, Michel, j'étais au lycée technique, j'étais dans une broche de comptabilité, et puis il y avait un appel, il y avait un manque d'enseignants en Martinique. Donc on a fait appel à un certain nombre de personnes. Ils ont créé un centre de formation d'instituteurs suppléants, malades dans ça. Et puis j'ai passé le CAP, le bac d'abord. Oui. Et puis l'école a dû fermer. Donc quand l'école a fermé, comme on était déjà dans le circuit, on nous a balancé dans l'éducation nationale comme instituteur suppléant. Attends, c'était pas Croix-Rivail, non? Non, Croix-Rivail, c'était l'école normale. Ouais. Mais ça, c'était une annexe de l'école normale. C'était pour pallier. C'est bizarre, c'est la première fois que j'ai. Par exemple, là, on te voit en tant qu'instituteur. Instituteur. Là, tu es installé, tu es instituteur. Ah oui. Et il y avait un manque d'enseignants. Donc, ils ont fait ça. Daniel était dans le lot et tout ça. Ah. Et là, ce qu'on voit, c'est une photo de famille, par contre. Non, ça, c'est l'équipe. Les stages de l'eau. Non, l'équipe enseignante de l'école où j'étais. Ah. C'est du même François. Comment il y a qui m'a appelé? Ce sont des enseignants. Mais oui, mais tu as deux hommes dans l'école, le directeur et moi-même. Et puis il y a qui m'a dans l'école primaire, c'est comme ça, hein, Michel. Alors, on voit, attends. On voit le choix de l'enseignement. Parce qu'on dirait que tu as été projeté par là, c'est une opportunité qu'il faut débattre comme enseignant. Ah ben Est-ce que c'est. Tu sentais là ta vocation aussi? Ah ben oui. J'avais toujours rêvé d'être enseignant. Mais ça que je voulais faire, je voulais enseigner l'anglais. Je voulais être prof d'anglais. Mais comme les moyens n'ont pas perdu. You speak English, hein? Yes, I speak just English. A little, yeah. I speak English vachement well. Et Michel, comme les parents n'ont pas pu suivre... Mais ton papa n'était pas directeur, oui, CP, mais, même, oui, mais, même, oui, mais comme il y a eu séparation, par l'exemple. Tout ça, bon, ouais. on s'occupe ou ne s'occupe pas des enfants, c'était un petit peu ça l'embêtant. Bon, j'étais pas tout seul, il y avait sept, nous étions sept. Wow. Et alors, je suis entré à l'école primaire. Et puis c'est là que j'ai passé mon CAP d'instituteur. Là, tu es devenu instituteur, on a vu d'ailleurs ton équipe. Alors, j'avais 19 ans hein, quand j'ai été nommé instituteur. Ah mais c'est fort ça. 19 ans, hein. Est-ce que c'est une vocation, moi aussi j'ai été enseignant, est-ce que c'est un sacerdoce ou bien c'est une contrainte, c'est parce que vous avez besoin de gagner la vie? Non, c'est une vocation. On n'entre pas dans ce genre de métier-là comme ça.
C'est une vocation. Et tu ne regrettes pas d'avoir enseigné toute ta vie? Non. La seule chose que je peux dire, c'est que lorsqu'on a fait 15 ans là-dedans, on a envie de partir faire autre chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs... Moi, je n'avais pas de 40 ans, moi, logique, fait plus. C'est pour ça d'ailleurs que l'éducation nationale avait mis les congés de mobilité. Ouais. C'était pour permettre aux gens de changer de métier. Ouais, parce que le mental prend un coup. Ah, mais évidemment, tu es sorti à la fin. Tu le sais très bien, on a plein de collègues qui sont allés à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, je te vois. Parce que ça tape bien, sur les nerfs. Ouais. Je suis nerveux ou quoi, non? Non, mais moi, c'est plus traqué, non? Moi, je vais tellement dire. On va revenir. Oui. Donc ça, on va revenir sur cette histoire de jeunes. Mais en gros, viens un peu sur la carrière artistique. Les frères Galli, le concept, c'était quoi? Le concept est parti de la colonie de vacances. Ouais. On ne dit plus ça maintenant, on ne dit plus colonie de vacances, on dit ACM. Centre de loisirs sans hébergement. Accueil de collectif de mineurs. Voilà, alors, là on voit les frères Galli, par exemple. Ouais. Ouais. Alors, chaque personnage avait une caractéristique. Daniel, ton frère, c'était un sportif, etc. Donc, lui, si tu veux, c'est le... c'est pas moi, le grand bébête, le compagnon, un peu. Pratiquement le moteur aussi du groupe, hein. Ah oui. Non, mais dans son style, il compagnon. Oui, dans son style, oui. Et en même temps, il est un petit peu... Il est coach, il est moniteur de sport. Ah oui, il est... Comme toi, comédien, enseignant aussi. Il a été prof. Oui, il a été prof des collèges, par contre. Ouais. Ah oui. Alors, toi, dans le cadre des Frères Galli, tu es un comédien, mais un petit peu plus raisonnable. Oui, l'aristocrate comédien. Aristocrate, ce qu'on disait, celui qui prend toujours le rôle du plus... Oui, un patron, quoi. Un patron, c'est comme ça. Donc, nous, on est sacou, c'est où il y a tout. Les niens, on le bouffe, par exemple, nous faisons en sketchant l'école là. Bon, c'est moi qui t'ai mettre l'école, par exemple. Le rôle de dominant. Pas de dominant, ça. Pas de dominant, mais... Mais c'est toi le patron, quoi. C'est toi qui donne l'exemple, etc. Et puis, vous intégrez un autre ami que j'aime bien, c'est Charles Rémillon. Charles Rémillon. À quel moment vous intégrez Charles? Eh bien, on a rencontré Charles en colonie. En colonie, c'est toujours les colonies. Ah oui. Oui, c'est là qu'il s'est révélé comédien. Ah bon? Parce qu'on va revenir. Et puis, en même temps, il jouait déjà son style bon. Donc, regarde encore les Frères Galli, notre affiche encore. Donc, ça t'a permis quand même de retrouver ce côté populaire, parce que les Frères Galli se produisaient dans les fêtes patronales, etc. Ah oui, on a marqué une génération. Et c'est dommage parce que les jeunes ne nous connaissent pas. Mais justement, on arrive à... Là, il y a même l'épouse de Daniel qui est intégrée avec vous aussi, avec des petits rôles de secrétaire. Là, c'est un tournage qu'on a fait avec Mr. Love. Ah. On avait monté un spectacle. On a fait le foyer de Bellevue. On est même parti en Guadeloupe avec ce spectacle-là. Et Romule me disait ça. Ouzélie me disait ça dernièrement. Il me disait que vraiment, ça, c'est un bon souvenir, ça, de notre... collaboration. C'était un excellent spectacle qu'on avait fait là. C'est même pas on pouvait arriver à refaire ça. Et Love chantait avec sa guitare. Et c'était magnifique ce spectacle-là. Eh bien justement, là, on va arriver sur la nouvelle scène, comme on dit. À l'époque, tu avais des petits Fabrice en Guadeloupe, en Martinique. Tu avais quand même Alcindo. Bon, c'était pas tout à fait des sketchs, c'était Alcindo, un chansonnier. Oui, il y avait Tibouboul. Tibouboul? Oui. Mais c'était les seuls. Et à un moment, lorsque notre premier CD est sorti, tu as vu le jaune là, avec les trois médaillons, les quatre médaillons là, en même temps sortait le petit Fabrice. Mais notre CD... Est-ce que ça vous a fait de l'ombre? On revient là-dessus. Est-ce que ça vous a fait de l'ombre? Non. Notre CD a pris du retard parce qu'il fallait faire un en Amérique. C'était avec Rico Moussialon que tu connais. Ouais, oui, mais c'est lui qui a produit ce CD-là. Hein. Et à l'époque, il travaillait avec Nareyadou. Les trois ans, la production, Jackie. Ouais. Et puis ça a pris du retard, puisqu'il y avait une même production en même temps, c'était Capercussion aussi. Oui. Tous ces disques-là avaient pris du retard. Et le petit Fabrice est sorti avant nous. Et lorsque le petit Fabrice est sorti avant nous, je dis, ouais, mais le Frère Galli, petit Fabrice, oui, c'est magnifique, il a joué en pièce. Ça vous a perdu un petit peu quand même, non? Non, ah non. Parce que petit Fabrice avait la côte, attention. Oui, il avait la côte. Par exemple, quand vous étiez en Guadeloupe, est-ce que les gens connaissaient déjà les Frères Galli en Guadeloupe? Ah oui. Wow. Ah oui. Et on a fait un spectacle avec petit Fabrice et les Frères Galli. Les Frères Galli et puis... Guadeloupéen aussi. Non, Loulou Bois-la-Ville.
Ah bon, gros spectacle en Guadeloupe. Des gros spectacles. On a fait une tournée en Guadeloupe. Ouais. On faisait ça comme. On a même fait des séances de supplémentaires. Alors, si je te raconte. C'est une affaire qui marchait beaucoup, quoi. Ouais. Oui, si je te raconte. À l'époque, j'étais enseignant. Et ils ont prolongé les spectacles. Alors, après l'école. Et tu devais rentrer pour travailler. Ouais. Après l'école, j'ai pris un avion taxi pour aller jouer et revenir le lendemain pour aller assurer ma classe. Monsieur Gali, moi, c'est un jet privé. Ou un jet privé je ne sacrifiais pas ma classe ni quoi que ce soit pour pratiquer mon spectacle. Ouais, ouais. Ni même mon art photographique. On va arriver sur la photographie tout à l'heure. Donc, c'est une belle époque, l'époque. Ah oui, c'est une très belle époque. Des gens qui s'amusent, des gens qui vivent. On assistait ensuite à l'arrivée de nouvelles troupes, on ne va pas toutes les citer. Mais maintenant, on a un nouveau phénomène, c'est le one-man show. Oui. Alors là, avec ton regard, je ne vais pas dire d'expérimenter, qu'est-ce que tu penses de la formule one-man show ? Faire plusieurs rôles avec un personnage. C'est une. Jean-Yves Boutère, ouais. C'est une très bonne chose. Mais il faut pouvoir le faire. Mais nous, c'était pas notre. Toi, tu n'aurais pas pu faire ça. Non, non, non. Nous, c'était pas Tenir deux heures de spectacle. Non, c'était pas notre spécialité. Et Michel, notre spécialité, c'était monter ce qu'on appelait scénette à l'époque. Ouais. Sketch. Des sketchs construits. Construits. Ouais. Des sketchs que tout le monde connaît la définition. Ce sont des pièces de théâtre très courtes. Des scènes de vie, ouais, ouais, ouais. Et il a honte, c'est ce qu'on dit, il a honte. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais, par exemple, je me souviens, j'ai eu l'occasion de présenter un de vos spectacles, il y a un sketch où il y a une histoire de karaté, etc. Ah oui, ah oui. Donc, le potentiel de chaque comédien, il l'exploite à travers le sketch. Oui, voilà. Par exemple, ces rôles-là, je ne pouvais pas les jouer. C'est Daniel seulement qui pouvait jouer ça, et avec Charles Rémillon. Mais avant Charles Rémillon, on a eu d'autres comédiens qui ont joué ça avec nous. Et comme ils nous ont quittés. Ah bon, il a fallu les remplacer. L'a remplacé, mais moi, bon, c'était pas mon truc, c'était pas mon style. Moi, j'ai pas j'aurais pu le faire, mais c'était pas mon truc, ça. Donc, j'ai préféré laisser Charles le faire. Mais Charles le faisait très bien. Il a fait bien. Non, mais Charles, c'est ce que je te dis. L'avantage, c'est qu'il est polyvalent, il fait par tout. Par exemple, entre Charles et moi, s'il y a un rôle de femme à jouer, de vieille femme, c'est Charles. C'est Charles qui vous verra, ouais. C'est pas moi. Indiscutable. Ouais. Je peux le faire, mais Charles le fait mieux que moi. Il a j'ai toujours dit ça, il a un potentiel énorme, ce gars-là, qui a peut-être, il aurait pu aller encore plus loin. Encore plus loin. Alors, on arrive, on passe. Alors, tu ne m'as pas donné ton impression sur le one-man show. On aurait dit que tu as beau t'en touche là, non? Non, je te dis que le one-man show, c'est une spécificité. Tu as gagné Oui, mais c'est une spécificité qui est intéressante parce que, bon, il faut avoir l'art de le faire. Mais je ne me vois pas faisant ça. Jouer plusieurs personnages. Oui, jouer plusieurs personnages. Moi, je trouve ça fascinant. Oui, je te dis ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Ah non. Un bonhomme comme mon père, tu peux mettre des le fait très bien, excellemment bien. Ouais. Ah bon, ouais, mais à part lui, qui s'est fait ça encore, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, il y en a qui ont essayé de faire, mais bon. Ça passe pas. Quand tu regardes. Tu vois, c'est un autre comique. Hein, Michel, le comique français et le comique martiniquais, c'est deux choses différentes. Explique-toi, lâche, allez. Nous, c'est le gros populaire. Non, le comique, trivial, quelque chose que le français va faire plus le français et moins nous. Mais nous avons des fois un comique qui est subtil. Je ne sais pas si tu l'as remarqué déjà. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Il y a des émissions qui passent et puis des fois, tu regardes ça, tu dis, mais bon, il n'y a rien de comique dans ça. On va pas comparer les époques. Je prends l'exemple de Caïman Fouché, par exemple. Oui. C'est une pièce, hein. C'est-à-dire que c'est construit, il y a des actes, hein, etc. Oui, il y a des actes. Est-ce que vous étiez déjà à ce niveau-là, dans les Frères Galli? Il y a des pièces, carrément. Quoi. On avait monté une pièce avec... comment il s'appelle, hein? On avait monté une pièce avec Mr. Love. Mr. Love, ouais. On avait monté une pièce avec, je ne sais pas quel autre... Structuré, avec des actes et tout. Avec une trame, quoi. Oui, avec une trame. Ouais. C'était, on avait appelé ça le retour au pays natal. C'était l'enfant qui revenait, qui est parti en France, qui revenait dans son pays. Et puis les parents lui retraçaient le passé en musique, en ceci, en cela. Et puis en quelque sorte, une rencontre intergénération. Oui, oui. Et quand il moderne d'après, on faisait venir des musiciens. Mm-hmm. Par exemple, quand on parlait de la danse, on avait retracé toutes les époques de danse. Mm-hmm. Toubelé, comment on appelle ces choses-là. La carte danse. Mais la tigasson, c'est Sponjo, en tout cas. Skacha, pingouin. Pingouin. Ouais. Il y a tout ça, on a retracé tout ça en machin. Et c'était vraiment comique, ça. Ouais. Dernièrement, on y pensait encore.
Est-ce que tu penses qu'actuellement, le comique, ça marche aux Antilles, à part les one-man shows, parce que je vois qu'il y a plusieurs tentatives, lors des fêtes patronales, tout ça, mais des fois, c'est pas tellement... C'est mon enfant, c'est le roi déguisé en forme ou quoi, faire mourir. Les gens n'auraient plus comme ça. Les gens n'auraient plus comme ça. Ça peut marcher, mais il faut travailler ça. C'est si tu travailles par le comique, tu tombes dans le trivial. Voilà. Tu tombes dans l'au-dessous de la ceinture. C'est toujours, dangereux, ça. Ouais, ouais. C'est très dangereux. C'est toujours, bon, la femme qui trompe son mari, le mari qui trompe sa femme, le monsieur qui boit, des choses comme ça. Bon, il faut éviter ça. Je te signale que même dans le comique français, ça existe toujours. Hein, oui, ça existe toujours, mais je te dis que, bon, nous, les frugalis... Un gars comme Coluche, par exemple, il y avait un peu trivial de danser. Hein. Oui, je ne te dis pas non, mais nous, les frugalis, bon, on n'a pas tellement mis dans nos scènes, on n'a pas tellement mis ni de politique... Il n'y avait pas de juron, par exemple, non. Non, il n'y a pas de juron, des choses comme ça. Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas oublier que l'origine des frugalis, c'était les colonies de vacances. Il y avait des enfants, c'est un public d'enfants. Quand tu me demandes l'origine du groupe des frugalis, c'est colonie vacances. Quand tu joues pour des enfants, Michel, te limiter. Tu amuses les enfants, les parents sont là, quoi, les parents carrés, puisque c'est Thiomaï là. Donc nous dit, bon, nous que faire des bagailles, machin. Et puis on a été relayé par Guy Métali. Faut pas oublier de le dire non plus. Quand il y avait des animations de Noël, il nous appelait. Lui, s'occupait de la partie chansons de Noël, des choses comme ça. Et puis nous nous occupions de la partie amusement des enfants, etc., etc. Et c'est comme ça que sont partis les frères Galli. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait de la politique, toi? Oui, j'ai fait de la politique. C'est-à-dire que tu t'es engagé ou t'es en liste? Non, j'étais sur une liste. Avec tu as fait conférence, nous pas, non, oui. Pas obligé de nommer nos noms. Oui, non, ouais. Je n'ai pas nommé les gens. Tu sais où t'as. Mais j'ai fait de la politique, j'étais sur une liste à Ducos. Est-ce que ça vous est arrivé de tourner en dérision des politiques? Non. Pendant vos sketchs? Non. Tu n'as pas pris ce risque-là? Non, vous ne voulez pas attaquer ni religion, ni politique. Parce que, Michel, quand tu attaques des politiciens, tu te mets dos à dos une tranche de la population. Quand tu attaques la religion, tu te mets à dos une tranche de la population. Il ne faut pas faire ça. Donc, à la limite... Et les gens qui font ça s'engagent. C'est un risque qu'ils prennent. Ah, à la limite, même Roger Galli, justement, il y avait des garde-fous pour vous. Oui, il y avait des garde-fous. Ni du trivial, des choses à la portée des enfants, pas de politique, pas de religion, pas de sexe. Non, pas tenir ces gens de... Donc, en même temps, ils ont tenu en respect de certaines valeurs. Oui, vous êtes des enseignants, n'oubliez pas. Oui, il y a ça aussi qui nous freinait. Qui vous limitait. Parce que tu ne peux pas aller faire une dérision, là, des choses qui ne sont pas... qui ne font pas appel à la morale. Et puis demain matin, tu dois faire des leçons de morale aux enfants pour dire, mais vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Mais justement, et il y a même des sketchs qui nous mettaient à réfléchir. Parce qu'on avait des scènes qui sortaient un peu de l'ordinaire. On va revenir aux colonies de vacances. Actuellement, il y a pas mal, tu m'as dit que ça a changé, l'appellation a changé, c'est des centres de loisirs sans hébergement, c'est pas le même concept. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce milieu? Au départ, est-ce que vous aviez été formé pour entrer dans ce milieu? Tu as été directeur de colonies de vacances. Est-ce qu'il y avait une formation pour ça? Mais la formation d'animateur, moniteur, à l'époque on disait moniteur. Ce que tu es en train de faire maintenant avec... Animateur, ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc tu suis une formation de base qui te montre comment animer tout ça. Et puis c'est toi qui vois si ça t'intéresse ou ça. Il y a des gens qui ont commencé l'animation. C'était pas pour eux, ils ont laissé ça. Wow. C'est pas Bayou. Ils ont laissé ça. C'est pareil, Michel. Tu as des gens qui vont apprendre à conduire. Et puis ils n'ont pas qu'à arriver. On va voir une photo encore, c'est avec une équipe d'animation là. Oui, ça c'est stage d'animation. C'est plus récent ça, d'un stage. Ah, oui, c'est, on va arriver là-dessus justement. C'est, alors, c'est récent, est-ce que toi-même tu as été en colonie quand tu étais jeune, étant enfant? Non. Eh ben non. C'est paradoxal. Mes parents habitaient la campagne. Et puis ton papa n'était pas directeur, c'était Camille. Oui, mais on était à la campagne, on était chez les grands-parents, des choses comme ça. Donc on n'a pas eu cette joie d'être en colonie. Et c'est là qu'on a découvert, en tant que moniteur, qu'on a découvert la colonie de vacances. On a vu que c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu vois des enfants de la campagne qui vont à 7 plus en colonie. Tout ce qu'ils vont à la mer, les enfants de Fort-de-France qui vont à la campagne. On va se rapprocher un petit peu plus. Quand tu entres dans ce milieu-là, tu as des responsabilités. Ah oui. Tu es responsable. Ah oui, pénal. Des timamai, responsabilité pénale. Est-ce que ça peut être assez dangereux aussi? Ah oui. Ouais. Parce que les parents... Si tu fais pas si ton boulot... Si c'est maintenant, là maintenant c'est encore plus grave. Si tu ne fais pas ton boulot, tu vas en prison.
Il y a la réglementation, il y a les lois qui protègent les mineurs. Ouais. Si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité d'un enfant, un enfant s'est cassé la pipe. On cherche à déjà arrivé d'avoir eu un accident fâcheux en colonie. Non. Eh bien, tu as mal nié. Non. Mais ça arrive. C'est déjà arrivé. Ouais. Pas tellement en Martinique, hein, mais en France, j'ai entendu des noyades en colonie. Hein. Ouais. Moi, je n'ai pas eu ces gens de. Quoi ni anti-bois cassé, quoi ni anti-pliché, anti-marché comme ça. Mais pas des trucs graves, vraiment. Un doigt coincé dans une porte. Mais pas de trucs graves. Tu as des problèmes avec les parents à ce niveau-là. Non. Parce que les précautions en amont étaient prises. Ah, ouais. Alors là, on va arriver quand même, donc, puis de Charles et le sens de la sécurité. Et maintenant, l'UFCV. Donc là, tu passes à un autre cap. Oui. L'UFCV, on explique le sigle, Union française des colonies de vacances. Des colonies de vacances. Et c'est, après, alors, c'est devenu centre de vacances. C'est parce qu'on t'avait repéré très tôt, et puis tu étais intéressé, que tu as commencé à approcher l'UFCV. Mon stage de moniteur, je l'ai fait à l'UFCV. C'est passé là avec Monsieur Juston. Avec Juston qui était déjà là. Le diplôme, c'est le BAFA, normalement. Ou bien c'est plus haut que le BAFA. Non, à l'époque, quand j'ai passé... La déontologie, ouais. Quand j'ai passé... j'ai passé mon diplôme de moniteur de colonie. C'était pas pareil. Et ce diplôme de moniteur de colonie est devenu le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ça a pris naissance... Le BAFA a pris naissance en 1973, jusqu'à nos jours. Et j'ai fait mon stage en 72. J'ai fait mon stage de moniteur en 72, j'avais 18 ans, et Michel. Et le BAFA est arrivé en 1973, jusqu'à nos jours. Il a été réformé. Le sigle BAFA, ça veut dire quoi? Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Aux fonctions d'animateur. Et BFD, c'est brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Alors, on revient sur ça, le profil des stagiaires. Je vais des fois avec toi dans l'intervention. Je vois des jeunes diplômés, des gens qui ont des BTS, etc. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec le niveau scolaire, alors? Non. On ne demande pas de niveau scolaire pour ça. Pourquoi? Parce que ce sont des emplois occasionnels. Pendant les vacances, on a besoin de gens pour encadrer les colonies, comme on dit, puisque tout le monde n'a pas qu'à comprendre les nouveaux cycles. Les colonies de vacances, tout ça, c'est occasionnel. C'est pendant les grandes vacances, pendant les petites vacances. Et comme c'était le plus souvent des actions sociales, tu sais ça très bien. Mais évidemment, ouais. Les enfants parce que s'il fallait payer un animateur comme un peu un enseignant, pièce par an, parce qu'elle peut voyager en colonie. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce sont des actions sociales qui sont faites là. Donc un animateur, il va pas toucher grand-chose. Il a une indemnité et en fonction de... Il est nourri logé, évidemment. Oui, il est nourri logé. En fonction d'un barème qui a été établi, ce qu'on appelle contrat d'engagement éducatif, où il y a un minimum qui est fixé, qu'on doit donner à un animateur. Donc, M. Galli, ça ne garantit pas une sécurité professionnelle. Ah non, on ne peut pas vivre de ça. C'est occasionnel, monsieur. Et il faut avoir ça pour pouvoir encadrer les enfants. C'est le seul diplôme le seul diplôme qu'il y a jusqu'à aujourd'hui pour s'occuper d'enfants, c'est le BAFA. Et puis, tu as le CAP Petite Enfance. Mais le CAP Petite Enfance, c'est tiens, mais là, que je tiens, mais 3-4 ans. Là, mais les enfants vont commencer à aller en colonie à partir de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Alors, la structure évolue. Monsieur Juston nous quitte, perd son âme, etc. Et alors là, comment ça évolue? Est-ce que les stages sont fréquents? Parce que maintenant, qui voulait vous parler? On est dans une conjoncture où vraiment c'est mon travail, vous êtes ouvert, il y a besoin d'occuper Corio, il y a besoin, etc. Est-ce que, et vu la fréquence des stages, est-ce que tu penses que ça devient de plus en plus nécessaire de former des gens? Oui, c'est nécessaire parce que Michel, au moment où je pensais qu'on a eu une baisse de demande dans la période de Covid, c'est là qu'on a eu les meilleures fréquentations de stages. On a dû surfer entre les temps de, comment on appelle ça, confinement, etc. Pas sanitaire, les restrictions, tout ça. Et je te dis, en 2020-2021, on n'a jamais aussi bien fonctionné que pendant ces deux années-là. Ça veut dire qu'il y a une demande, Michel. Non, mais je vais même estimer maintenant, face aux téléspectateurs, il faut que nous soyons conscients que les professions évoluent. Avant, c'était docteur, infirmier, etc. Mais là, maintenant,
la société actuelle a besoin de nouvelles orientations, si tu veux, en quelque sorte. Mais Michel... Alors, par exemple, j'étais venu, enfin, je peux continuer. J'ai eu l'occasion de fréquenter des stages, tu me faisais venir, mais j'ai vu des gens de niveau, des licenciés, des gens... Oui, mais c'est bien ce que je te dis. Ce sont des gens qui cherchent un emploi occasionnel pour pouvoir s'occuper d'enfants. Il y en a qui aiment ça. Et puis, tu as une catégorie de personnes qui sont envoyées par les collectivités, les caisses des écoles, les machins comme ça, pour pouvoir avoir un petit job. Pour pouvoir pointer aux charges sociales, etc., etc. Il y a un petit côté alimentaire quand même, aussi. Un petit côté alimentaire et professionnel aussi. Oui. Mais la loi réglemente tout ça. Ouais. Alors, pour donc revenir, c'est bien structuré, hein, ça. Oui, c'est bien structuré. Pour revenir à ce que tu disais, quand je suis entré à l'époque de Juston, j'étais simple... Moniteur. Non, j'étais simple formateur. Ouais, formateur. On disait à l'époque instructeur. On avait des stages à Noël, à Pâques. Et puis début des grandes vacances. Donc on en faisait 3 stages par année. Parce que tu étais enseignant, nous, ouais. J'étais enseignant toujours. Mais à présent, il y a des stages presque tous les mois. On a fait un stage en avril, on a fait un stage au mois de mai là, et en ce moment-là, on a un stage au mois de juin. Au mois de juillet, on a prévu des stages encore. Au mois d'août, on a prévu des stages. Ou rebelote à Toussaint, parce qu'il y a des vacances scolaires là, et où est l'autre en décembre. On regarde tout ça, le stage qu'on fait dans une année maintenant. Mais justement, mon cher Roger Galli, ces gens-là, est-ce que tu as un regard sur les gens qui te quittent avec leur diplôme? Est-ce qu'on a suivi, ou on a suivi en traçabilité? Oui, on suit ces gens-là. On a un suivi, mais il y a des gens qui abandonnent. Pourquoi on abandonne? Parce que ce n'est pas un métier d'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre à la personne... Ce sont des fonctions occasionnelles. C'est occasionnel. Donc, quelqu'un ne peut pas faire carrière dans ça. OK. Donc, on précise quand même que sont-ils devenus? Il a été enseignant, il a été comédien, il est devenu, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie quand même pas mal. Et ta vie privée dans tout ça? Au Jamaï, au Gentimamba, etc. Michel, c'est un équilibre. Il faut mettre l'équilibre dans tout ça. Je passe pas mon temps à l'UFCV. Je passe pas mon temps là. Je passe pas mon temps à l'église. J'ai équilibré tout ça. Dosé, il y a un temps pour le foyer. Il y avait un temps pour le théâtre. Il y a un temps pour l'UFCV. Et puis il y a un temps pour ma famille. Voilà. C'est très, très, très important ce que tu dis là. Parce que justement, ayant passé toutes ces expériences-là, tes enfants, est-ce que tu leur aurais conseillé d'être enseignant, par exemple? Est-ce que ça t'est arrivé? Ma fille a voulu être enseignante. Ah, parlez-moi. Elle est bien contente de n'être pas entrée. Parce que, Michel, ça devient difficile. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Pourquoi? Parce que le parent oublie qu'il a à sa charge l'éducation de son enfant. Il dépose tout ça dans les mains du professeur. Alors, il y a l'éducation sexuelle, il y a l'éducation alimentaire, et à l'éducation sociale, tout ça, c'est le parent qui doit assurer tout ça. Il n'y a pas qu'à faire encore, Michel. Les valeurs même, c'est l'enseignant qui doit assurer. Alors, à présent, on dit à l'enseignant de faire ça, mais ce n'est pas à lui de faire l'éducation sexuelle de son enfant, de l'enfant de l'autre. Ce n'est pas à lui de faire l'éducation alimentaire de l'enfant de l'autre. Ouais. Ce n'est pas à lui à dire, et ce n'est pas au professeur à dire à l'enfant, il faut dire bonjour aux adultes. Michel, là où t'es petit, c'est maman, t'es cadeau. Il faut dire bonjour aux grandes personnes. Il faut dire merci. C'est nos parents qui nous apprennent ça. Ouais. Ah, mais à présent, on laisse ça sur le compte de l'enseignant. Michel, en fin de carrière, quand j'étais en fin de carrière, l'enfant arrive là, il te regarde. Il dit, allô, et le mot magique, allô. Faut qu'on dit, tiens, mais là, d'où bonjour, à un moment, je ne m'inquiétais plus. Tu te rappelles avant. Dis-moi bonjour, pas dis-moi bonjour, mais il y a un moment, si tu t'en fous. Si c'est un agent qui est dans la salle de classe, tout le monde se met debout. Hein? Se met debout. Dis bonjour, dis pas bonjour, on s'en fout, mais allô. Il m'a en fin de carrière, je me fatigue avec quoi. Le parent n'a pas fait son boulot. Et voilà pourquoi la société... La mission même des parents... Et... Oui, voilà pourquoi la société comme ça ainsi. Mais justement, on a un regard sur la société actuelle, une société qui n'est pas forcément... Mais il ne faut pas essayer de comparer les générations. Non, il ne faut pas comparer. Mais je dis quand même que l'éducation, surtout l'éducation sexuelle, ça reste à la charge des parents. Il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a qu'à attendre les tiens à l'avenir grand-dadé, que ce soit fille ou garçon, pour essayer de commencer l'éducation sexuelle. Mais il n'y a qu'à ni déviance...
Il va aller chercher éducation de l'autre côté. Soit le petit copain va le faire, il va pas le faire comme il faut, etc. Ils sont en train de problèmes. Voilà, sinon on a passé un coup d'œil sur ça. Tes goûts, ou un cinéma, ou un même musique. Je sais que tu aimes la musique traditionnelle. Ah oui, ah oui, ah oui, j'aime la musique. Je suis méloman. Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'aime toutes les musiques. Ah ouais, mais latine, jazz. Oui. Mais j'aime ma musique. Voilà. Quand tu as quelqu'un qui te dit j'aime la musique, et puis c'est rien qui, latine, jazz, gakouté, ou bien rien qui me bat là, c'est pas bon. Ce que je te dis, il y a doit avoir un équilibre dans ça. Moi, j'écoute toutes les musiques qui sont bien. Le chant choral, tu aimes ça? Le chant choral, j'aime ça beaucoup. Tu n'as pas fait partie de choral? Non. Heureusement. Mais heureusement. Pendant le stage, pendant les stages que je vous fais, là, chanter... nous n'avons pas fait choral. Nous n'avons pas fait choral, nous. Ouais, ouais. Il faut entendre ça le matin, je suis en courant, mais tu as déjà fréquenté nos stages, tu vois comment ça se passe. C'est formidable ça. Et je te redis que je suis un grand défenseur de notre musique. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, je suis toujours à l'écoute de mots 4 paroles. Des mots 4 paroles, parce qu'il y a... Des mots 4 paroles, sur Zouk TV, le samedi après-midi, bien et sûr. Et oui, je suis toujours là devant ma télé. Et parfois, tu passes dans la paillotte de temps en temps. Oui, dans la paillotte. Oui. Mais je te dis que ce que vous faites à Zouk TV, là, deux mots 4 paroles, c'est formidable. Ah non, mais tu ne peux pas parce savoir ça, la joie qu'on... Ça retrace des moments, des morceaux qu'on n'a jamais entendus. Et puis, vous avez des musiciens de qualité, là aussi. Ouais. On fait un petit coucou à Zouk TV. Zouk TV, chez nous. Ouais. Alors, là, nous arrivons dans un élément. Alors, moi, je ne t'ai pas connu, je ne sais pas. La photo. L'amour. Est-ce que c'est un truc qui est dans ton esprit depuis longtemps? Mais tu nais avec ça, Michel. Quand tu es né, tu aimes déjà l'image. Ou un métier appareil photo. C'était moi. J'y mets là. Tu as eu ton premier appareil photo à quel âge? Ah, j'ai dû avoir mon premier appareil photo. 12 ans. 13 ou 14 ans. Et puis à cet âge-là, j'étais déjà. Ma mère m'avait déjà remis entre les mains de mon père. Et papa, moi, j'étais déjà qu'à pratiquer la photo. Ton père pratiquait la photo. Donc c'est un héritage, en quelque sorte. Ouais. Et je me passionnais, je regardais ce qu'il faisait. Mm-hmm. Et il m'a formé. Alors, quand je regarde tes photos, regarde, par exemple, là, on voit Roger Galli. Alors, ah oui, là, c'est quelqu'un qui te photographie en train de faire une photo. Oui. Alors, bien évidemment... Figure-toi que c'est un prêtre qui m'a photographié là, parce qu'il y a un prêtre... Un l'abbé. Ouais. Oui. L'abbé a une photo aussi. Polonais, un Polonais. Ouais, ouais. Il était passionné de la photo et je l'ai rencontré dans une cérémonie religieuse. Et puis, ma nièce qui faisait sa communion m'a dit, mais voici le prêtre. Ouais. Et puis tout ça, et puis on est allé à... Vous avez baptisé, ouais. Et puis j'ai vu les photos qu'il fait, mais s'il faut passer moi. Bon. Hein. Ouais. Ah, il est bon, passer moi. Alors, justement, là, nous pas qu'à critiquer, hein, mais on va... À présent, avec les nouvelles technologies, tout le monde photographe. Oui, eh bien oui. Est-ce que tu es pour ça ou contre ça? Non. Non, mais tu as des photos de famille et des photos contre... Je ne suis pas pour ça, je vais te dire pourquoi. Michel, tu m'invites à un spectacle, je ne regarde pas ton spectacle, je ne regarde pas ce que tu fais, et puis je fais des photos. Ou bien je filme. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, ça? Ou bien ta gonne, c'est se marie, tout le monde... Et puis, alors, quand tu as mis ça sur le téléphone... Quand tu as enregistré tout ça, tu veux me dire que tu vas retourner revoir tout ça? Eh bien, c'est devenu une manie. Maintenant, tout le monde a filmé, tout le monde a photographié, tout le monde a machin. Ouais. Donc, on peut être pour ou contre, mais je te dis que ça a un côté néfaste. Ouais. D'ailleurs, tu as vu toutes les dérives que ça a entraîné. Ah, mais évidemment. Dans les accidents, les machins comme ça. La personne ne te porte pas ce coup, il a qu'à faire photo. Là, tu es dans un nouveau phénomène qui est les réseaux sociaux. On va parler, on va dire du mot là-dessus. Les réseaux sociaux. Alors, on va demander de nous diffuser quelques images pour voir quels sont tes goûts. Si tu aimes la nature en photo, si tu aimes les portraits, ton sens de la lumière, etc. Alors, donc, si on pouvait... Voilà, là, tu as un coucher de soleil. Qu'est-ce que tu privilégies là? La lumière? Le paysage en lui-même ou alors la dame couchée, c'est ça? La dame couchée en tombée de nuit. On appelle ça l'aurore ou le crépuscule. Le crépuscule. Ouais, ouais, ouais. Non, tu as l'aube, l'aurore et le crépuscule le soir. Le soir, le crépuscule. Visiter coucher de soleil. Oui, donc là tu as des couleurs spéciales qui entrent. Oui, pas fait coup français bas-main. On va avoir une autre, peut-être, un autre pays. Là, alors là, c'est différent. Là, on est en pleine nature. Là, c'est quoi? C'est la nature. Mais tu reconnais la plaine du Lamantin. La plaine du Lamantin. Ah, c'est formidable. J'ai pris ça des hauteurs de mon... Mon pitou, là. Justement, dans ces trucs-là, tu as des points bien spéciaux pour avoir des vues magnifiques. Ah oui, on a l'impression que j'avais un drone là. Mais c'est pas ça n'a pas été fait au drone. C'est en hauteur. Ouais. Mon pitou, les hauteurs de mon pitou, François. Une vue extraordinaire. On va passer à une autre photo, peut-être. Alors là, c'est plus simple. Hein. Là, c'est les pitons du Carbet. Oui, devinez-nous, j'ai pris ça. Trinel.
Ah bon, moi, comme tu disais. Oui, j'allais déposer mon ami Polo à Tanna chez lui, et puis j'ai vu ça. J'ai pris tout de suite. Mais justement, les choix que tu fais, ces photos-là, tu ne vas pas les exploiter, pas dis-moi quoi, ils vont mieux. C'est pour ton plaisir personnel, ou alors il y a des gens qui aiment mais ça aussi. Maintenant, avec le réseau social, tu mets ça dessus, ça plaît aux gens. Ah. Tu n'as plus besoin de faire d'expo. Ouais. Expo photo, ou à faire expo photo. Tu mets ça là, et puis ça plaît aux gens. Et toi-même, ça te donne une satisfaction de voir que tu mets en valeur ton pays. Par exemple, là. Ça. Là, c'est diamant. Diamant. Le port de pêche du diamant. Assez coloré, hein. Oui. Alors, justement, mais j'ai remarqué que tu n'aimes pas tellement les portraits. Bon, on peut, pour des raisons peut-être plus intimes, plus Michel, confidentielles. Je ne sais pas que et je là, n'aime. Là, je vois que tu as amené une série d'albums où il y a des portraits. Mais Michel, je n'ai pas que. Est-ce qu'on peut montrer les. C'est pas que je n'aime pas les portraits. Ouais. Mais je fais du portrait, mais j'évite. Ouais. J'évite d'exposer, vois-tu. Ouais, là, on survole, on va pas. Ouais. J'évite d'exposer les photos des gens. Mais je fais beaucoup, beaucoup de portraits. Je suis un portraitiste aussi. Ouais. Je suis un portraitiste. Beaucoup de jeunes filles, de belles demoiselles, etc. Oui, et j'ai des portraits. En France, je fais ça en France. Hein. Et voilà. Bon, avec on va aller... Anthony Puyol. Ouais. Tu vois, donc, de portraits. Mais ça reste privé, ça reste privé. Discret. Je ne diffuse pas les portraits des gens. Ah, alors là, on va... Alors là, c'est la question qui tue, hein. Est-ce que tu as déjà fait des nus? Oui, tous les photographes font du nu artistique. Wow. J'en parlais hier encore à mes stagiaires. Je dis, alors, quand vous dites ça aux gens, vous dites, ah, le nu, le nu. Je connais quelqu'un qui doit trembler dans le noodle là. Hein, il y a le nu artistique. Le nu artistique, oui. Et le nu artistique, ce n'est pas en photo seulement. C'est pas une photo pornographique. Non, c'est un dessin aussi. Tu as des peintres qui mettent une femme nue, assise et peine. Mais évidemment, oui. Donc, naturellement, c'est pas pornographique, puisque le sexe n'est pas ouvert, là, comme ça, là, des machins comme ça. Mais le nu artistique existe. Ça qui est pas bon dans le nu artistique, c'est que les gens, maintenant, avec les réseaux sociaux... Ah, mais oui, ça tombe dans la vulgarité. Photo moulant, ou bien la personne même publie sa photo. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de confidentialité et tout ça. Donc moi, j'ai arrêté de diffuser des photos de modèles de portraits, de gens, de choses comme ça. Tu fais quand même des photos scolaires. Ah, je fais la photo scolaire. Ouais. Ah, oui. Ça n'a rien à voir avec le nu. Ah oui, ça fait une douzaine d'années. J'ai commencé en 2009. Après, tu mets les enfants alignés. À quel moment j'ai commencé la photo scolaire? Les gars d'ouvrent les petits dés, oui. Je ne pouvais pas faire la photo scolaire étant en fonction. J'étais instituteur. Ah, et je ne pouvais pas faire la photo scolaire. J'ai fait la photo scolaire dans le cadre de ma fonction, mais j'avais offert cela à l'école, à la coopérative de l'école. Donc je n'ai rien bénéficié que les c'était frais pas une source de revenus. Les frais d'exploitation, etc., ça a été remboursé. Mais tout l'argent qui a été fait avec la photo scolaire, c'est entré dans les caisses de la coopérative scolaire. Et puis à partir du moment où je suis entré à la retraite, je me suis lancé dans la photo scolaire. Est-ce que, parallèlement, hein, on peut, Emmanuel peut nous balancer d'autres photos que de paysages, etc., mais est-ce que parallèlement, est-ce que tu peux enseigner la photo stagiaire aussi? Mais je l'ai fait, Michel. Ouais. J'ai enseigné la photo à mes élèves aussi. À l'intérieur. Ah, t'en vois une belle photo là. Oh là là, ça c'est. Oui, ça c'est sur la route de Gaumont. Non, Gaumont, en allant vers l'usine d'Enel. Ouais, cette espèce de palmier géant qui est envahi par cette plante rampante. Ah! Oui, le nom de ça, oui. Avant de prendre l'usine d'Enel. Oui, ça belle ça. Ouais. Peut-être encore une petite photo de paysage. Les photos sont belles, hein. Alors là, mesdames et messieurs. Oh là là. Oui, ça c'est Ansdarlé. Ansdarlé, on a des. Peut circuler encore, Ansdarlé. Alors là, c'est quoi ça? Prêcheur. Prêcheur. Lanceron. Oui. Non, avant. Lanceron. Voilà. Ouais. Les canaux, là. Là, c'est Diamant. La chérie. Ah, c'est Sargasla, là aussi. Bon, oui, Sargasla, déjà, là. Et là le fameux coucher de soleil qu'on a vu au début, c'est ça? Au Prêcheur. Pas au Prêcheur, à Chelcher. À Chelcher. Alors là, nous allons arriver vers... C'est Fechkon. Oui, d'accord. Elles sont belles, les photos. Alors là, on va arriver maintenant vers la période Covid. L'émission va se terminer dans quelques minutes, une bonne dizaine de minutes, mais nous allons quand même faire une introspection. Est-ce que ça t'a perturbé? On est là, dans deux jours, hein, à préciser. Mais Michel, ça a perturbé tout le monde. Est-ce que tu continues, par exemple, à faire tes photos? Oui, mais je faisais des photos de paysage. Ouais. Quand je n'ai pas d'occasion de photo,
La nature te donne l'occasion de faire des photos tout le temps. Mm-hmm. Et je disais ça au modèle de photo. Je dis, c'est pas moi qui vous demande à poser pour moi, c'est vous qui me demandez une séance de photo. Quand j'ai pas de modèle comme ça, je vais prendre la montagne pelée dans tous les zones qu'il y a, je vais prendre le rocher du diamant, je vais prendre la femme couchée, etc. Et il y a plein de paysages en Martinique qui me permettent de pratiquer ma photographie. Je n'attends pas sur un modèle, ni un mariage, ni un baptême pour pratiquer la photographie. Est-ce que, par exemple... Et là où j'ai été perturbé, oui, c'était pendant la longue période de confinement. On est resté combien de temps? Plus gros confinement, on dirait combien de temps? En mois et demi. 40 jours, c'est ça? Ouais. C'était très là, très ça nous a emmerdé tous. Hein. Ouais. Et puis Michel, vous savez qui ça qui fait là? C'était pendant la période de confinement où on ne pouvait pas sortir, qui avait les meilleurs ciels bleus, les meilleurs temps. Et puis, tout le monde a fini. Ils ont dit, bon, vous pouvez sortir. Brume de sable encore nous. Quand il y a la brume de sable, Michel, on peut aller faire des paysages. Ah, on est en photo blanc. Alors, ça c'est où ça exactement? Ça, c'est Lens-Noir. Lens-Noir. Là, on va arriver quand même dans la dernière partie de l'émission. Il nous reste à peu près 5 à 5 minutes d'émission. Ton message en direction... Oh là là, on envoie de belles fleurs là, maman. Ça, alors, qui nous flétait à l'amanda. Le meilleur pour la fin. À l'amanda, c'est ça. C'est bizarre. Ah, oui. Peut-être 5 minutes d'émission encore. Coquelicot. Voilà, hibiscus. Coquelicot, là, ouais. Tu parles à la jeunesse maintenant, monsieur Galli. Ton message, on a une société qui est violente. On a des restrictions de plus en plus nombreuses. Qu'est-ce que tu vas dire à cette nouvelle génération? Ou qu'à parler bah, en tant qu'enseignant, en tant qu'observateur privilégié, on va dire, Michel, de la société? Michel, donneur de leçons, c'est pas bah et moi. Mais est-ce que les jeunes sont responsables? Comment tu conçois notre société martiniquaise? Est-ce que les jeunes sont responsables de ce qui se passe là aujourd'hui? Est-ce que c'est pas nous, ces grands hommes-là, qui sont responsables de bagaille là? Par des erreurs qu'on commet, des choses comme ah, ça. Ah, tu penses que c'est nous qui construis type, oui, de société à ce type de société-là. On quand a ce qu'on mérite, quoi. Mais quand tu regardes, Michel, un petit bouquin les volets en radio cassette, quoi, son j'entends, j'ai capété l'auto. Mais bien sûr. Ouais. Ou pas vous dire combien joue la jol, un monde qui a détourné millions, ou pas qu'abaille la jol. Tu incites les gens à être violents, à se révolter, et c'est ce qui est en train de se passer là. Hein. Donc, quel conseil on peut donner aux jeunes? Quel conseil on peut donner aux jeunes? Si, à la tête de ces choses-là, la société est pourrie. Tu n'as pas entendu le nombre d'affaires là que les gens sont en train de dénoncer, ne pas nommer noir. Ça s'appelle des casseroles. Nous sommes en train de dire les casseroles. Quand ici que là-bas, quand un jeune entend ça, qu'est-ce qu'il veut qu'il te dise? Bouglavon, l'anti-radio cassette, pourquoi ben, et 6 mois la jolle? Tu as volé millions, il a des allègements de peine, il va faire la jolle. Ça révolte la jeunesse, ça révolte les jeunes. C'est ce qui. Parce bon, je te donne un autre truc encore. Je suis en train de former des jeunes. Je me dis ça fort et haut à dans Télémoun. Je suis en train de former des jeunes à l'animation des centres de loisirs. Mm-hmm. Lorsque ces jeunes-là vont demander du travail, ils ont dit ah, on ne paye pas les stagiaires. Pourquoi vous ne payez pas les jeunes? Ah bon? Pourquoi ils ne sont pas qu'à bas jeunes en ballant? Voilà. Donc, tu n'es pas tellement optimiste. On va terminer l'émission. Donc, tu n'es pas tellement optimiste sur l'avenir des jeunes. Ah non. En tout cas, voilà. Mais c'est pas foutu. C'est pas foutu. C'est la faute des gens qui nous dirigent. Ouais. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a fouillé M. Galli de fond en comble. Il y a eu des bons moments, il y a des moments assez sceptiques, notamment cette dernière phrase. Il a quand même un certain regard sur l'avenir. OK? C'était « Que sont-ils devenus ?» Notre invité aujourd'hui, c'était Roger Galli. À bientôt sur Zouk TV.